Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, on est à Tanaka Farms à Irvine en Californie. Tanaka Farms, oui, c'est une ferme où vous allez cueillir vos propres fruits et légumes. Oui, pas d'épicerie aujourd'hui, seulement vous et moi à la ferme. C'est parti. Oh, oh, regardez, on dirait qu'il y a un tracteur et deux remorques. Allons-y. Oh, oh, ici à Tanaka Farms, on peut faire du tracteur et faire le tour de Tanaka Farms. Oh, je suis trop impatient. Oh, hey, regardez. Hey, qui êtes-vous? Moi, c'est Kenny. Oh, monsieur Kenny, je suis enchanté. Moi, je suis Blippi. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, un petit peu de tout. Je conduis le tracteur dans le coin, je propose des tours. Oh, on peut faire un tour? Bien sûr, montez. Oh, très bien, allons-y. Regardez, je suis dans un champ de carottes. Bien, on enjambe. Vous voyez tout ce vert, ce sont les tiges des carottes. Oui, on ne mange pas ça. La carotte est en fait sous la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle un légume racine. Ok, pour ramasser une carotte, on a besoin de trouver les carottes. On va donc dégager tout ça. Wow, oh, il y en a plein ici. Oui, vous voyez tout cet orange? Oui, ce sont des carottes. Mais elles sont bien enterrées. Alors, on va prendre cette grande fourche. Wow! On dirait une fourchette, mais bien plus grande. Et puis, on ramollit le sol. Wow! Et là, on va prendre une carotte. Hey! Il y en a une juste là. Wow! Regardez ça! On a une carotte! Wow! Ouais! Trop cool! J'adore les carottes. Elles sont de couleur orange. J'adore en mettre dans ma salade. Gâteau aux carottes. Même dans la soupe. Elles sont trop bonnes. Et elles aident vos yeux à mieux voir durant la nuit. Wow! Plutôt cool, hein? Hey! Au fait, il y a un animal qui adore manger des carottes. Quel est cet animal à votre avis? Ah, on va voir ça. Oh, le beau lapin! Oh là! Ça, c'est un beau lapin! Waouh, le nom de ce lapin est Andy. Cool! Je me demande si Andy veut une des carottes de tout à l'heure. Par ici, Andy? Ah, peut-être qu'Andy n'a pas faim. C'est pas grave. On repose Andy et voilà. Très bien. C'est bon Andy. Waouh. Ah, j'adore les lapins. Ils sont si doux. Hey, ça, c'est beurre de cacahuète. Et l'autre, c'est jelly. Wow. Oh, il y en a un autre. Oh, regardez-les tous. Oh, hey. Et voilà. Tout va bien. Oui. Vous avez vu ce poulet? C'est un combattant anglais moderne. Ouais! Et il pond des œufs, même s'ils sont tout petits. Et regardez! Oui! Trop mignon! Waouh! Cool! Ok, on repose beurre de cacahuète pour que beurre de cacahuète puisse manger quelques verres de farine. Et voilà! Oh! 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 Et venez par ici! Oh! Ah, j'ai un truc à vous montrer! Waouh! Juste par là, on a des œufs. Oui, les poules font des œufs. Wow, on a un œuf, deux œufs, trois œufs et quatre œufs. Ces deux sont de gros œufs et ces deux-là sont de petits œufs. Mais ces deux n'ont pas été pondus par le combattant anglais moderne. Ils sont bien trop gros pour ces poules. Ok, on va remettre ces œufs bien ici. Et allons voir si on trouve d'autres poulets. Oh,
Oh, ces poulets, c'est sûr, ils aiment leur casse-croûte. Vous voyez ça? Ce sont des carottes! Oui! Elles sont de couleur orange. J'adore la couleur orange. C'est l'une de mes deux couleurs favorites. Ah! Wow! Là, ce sont des oignons. Wow! Ça, c'est un très gros oignon. Oh oh! Et regardez ça! Ah, ce sont aussi des oignons! Mais ça s'appelle la ciboule. Ces deux sont des oignons, mais ils sont différents. Ah! Wow! Ça... c'est la romaine. J'adore la romaine. C'est très sain. J'adore en mettre dans mes salades. Wow! Et ça, c'est la betterave. Wow! Là, la betterave jaune. Et là, de la betterave. Oh! Regardez ça. Ah, c'est mignon. Ce sont des radis. Vous voyez la couleur? C'est un peu rouge-rosé. Ouais, ah, j'adore cette couleur. Waouh! Hé, des épinards! Ils sont dans une petite boîte transparente. Et oui, l'épinard est vert. On dirait bien que beaucoup de ces légumes sont de couleur verte. Bon, vous voyez les radis? Oui, la partie qu'on mange est de couleur rouge-rosé. Mais au-dessus, ça permet la photosynthèse pour faire pousser les radis. Et ça, c'est la couleur verte. Mais on ne mange pas le dessus. Wow! Chou kale! Ah, si vous pouvez goûter les chips de chou kale un jour. Oui, c'est comme les chips normales, mais plus sains. Wow! Ah, c'est des baguettes! Ah non! C'est de la canne à sucre! Wow! Ah, c'est si sucré! Wow! L'aubergine japonaise! Oh! Oh! Elles sont de couleur violette! C'est un violet très foncé! Wow! Trop cool! Et très sain! Oh! On a un peu de céleri branche, on a un peu de chou-fleur... Oh! N'oublions surtout pas la courge d'été! Ouais! Wow! Et on a aussi un peu de poivron vert! Ouais! Juste à côté... des poivrons rouges! Regardez ça! Ouais! Rouge, vert, rouge, vert. On remet ça juste par là. Oh! Et enfin, pour finir, on a des épis de maïs! J'adore le maïs! Très bien, Blippi, on y est! Ouais! Je suis trop impatient! Wow! Je me demande quel type d'aliment c'est. Ok, voyons voir. Très bien. On peut suivre cette allée okay, juste là. Ok, celle-là? Super. Wow! Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pastèques. Des pastèques? Wow, ça a l'air d'être deux différentes sortes. Ouais, là, ce sont des petites rondes. Là, c'est une pastèque jaune. D'accord. Jaune. Et ici, ces grosses-là, ce sont des pastèques rouges à graines. Wow, on peut en ramasser? Ouais, on va en trouver une. Ok. Alors... que pensez-vous de cette jaune, juste là, okay. Juste au milieu? Celle-là? Ouais. Et on fait comment? Ouais, comme c'est fait. Ça vient tout seul. Quand c'est mûr, ça vient tout seul. Wow! Regardez ça! Alors, cette pastèque est un cercle. Ou une sphère. Ok, très bien. Très bien, je vais y aller, je vais en prendre une rouge. Oh, ça c'est une grosse pastèque! Wow! Quelle est cette forme? Ça a l'air d'une sphère pour moi. Elle est oblongue, cette sphère. Ou même ovale. Très bien. Maintenant, on peut les mettre juste là? Bien sûr. Ok. Oh. Oh, elles sont trop belles. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est une pastèque normale. Et on sait quelle couleur il y a à l'intérieur. Mais on devrait juste l'ouvrir pour bien oui, vérifier. Pour okay voir à quoi ça ressemble. Wow! Ouais! Vert à l'extérieur et rouge rosé. Rouge à l'intérieur. Waouh! Et vous voyez les graines? Il y en a des noires et des blanches. Waouh! Ok,
Mais cette pastèque a l'air d'être un peu différente. Qu'est-ce qui diffère selon vous? C'est juste que sa chair est de couleur jaune. Ah, c'est logique. Hey, parce que ça s'appelle une pastèque jaune. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ouais, ouvrons-la pour voir. Quand elles sont bien mûres, elles s'ouvrent toutes seules. Oh! Ah, je n'avais jamais vu une pastèque comme ça auparavant. Hey, regardez, c'est la couleur jaune. Wow! Très bien, comparons-les. Jaune, rouge, jaune, rouge. Les deux sont goûteuses. Wow! Ah, goûtons un peu ça. Ah, c'est sucré. J'adore le goût de la pastèque jaune. Quelle est la couleur de votre pastèque favorite? Ma favorite est la jaune. Elle a un goût un peu différent, mais elle est super bonne. Oui, je vais vous dire, elle est vraiment bonne. Vous en voulez? Oh! Des fraises! Les fraises sont délicieuses. Allons ramasser d'autres fraises. Ok, vous voyez ma barquette? On appelle ça une barquette à coque. Oui, oui, vous connaissez les coques? Oui, les coques sont des coquillages. Et ça y ressemble un peu. Ok, on va prendre 20 fraises. Waouh! Ah, ça fait beaucoup de fraises! Ok, prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waouh! 8! 9! 10 fraises! Ok, c'est la moitié. 11! 12! Moins une. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. On y est presque. 18. 19. Dernière. 20. 20 fraises dans notre barquette à coque. Bravo! Wouhou! Wow! Quel genre de plantes sont là? Ah, je n'en ai jamais vu comme ça nulle part. Wow! Et regardez-les, elles sont si grandes. Elles ressemblent à des tiges de maïs. Mais ce ne sont pas des tiges de maïs. Wow! Wow! Ah, ça m'a presque touché! Ah, on s'arrête! Très bien, Blippi! On est là dans un rang de canne à sucre! Un champ de canne à sucre! Vous entendez? Ah, mais ça doit être ça! Des cannes à sucre! Wow! Ok! Très bien, Monsieur Kenny! On fait quoi maintenant? On va aller couper un peu de canne à sucre! Ok! Wow! Hey, c'est de la canne à sucre! On cherche une belle tige. Wow! Oh, bien aiguisé le couteau! Ah, il l'a tranché comme ça! Wow! À quoi sert la canne à sucre? On peut juste simplement la sucer, on peut également la presser pour faire sortir le jus, cuisiner avec. Et c'est avec ça qu'on fait du sucre? Ouais! Wow! La canne à sucre fait le sucre! Wow! Ok! Wow! Regardez! Normalement, on coupe juste la peau et on mâche l'intérieur. Wow! Donc on peut mâcher ça juste là? Bien sûr! Ok! Wow! À chaque fois qu'on utilise un couteau, il faut être très prudent. Pas vrai, les grands? Seuls les adultes se servent de couteaux. Ouh! Très bien. Ah, ça a l'air super bon. Vous pouvez mâcher ce petit bout. Oui, très bien. Essayons.
Ah, j'adore la canne à sucre. Wow, regardez ça. Elle est monstrueuse, cette plante. Et c'est en fait une fleur. Une fleur géante. Et cette fleur s'appelle un tournesol. Wow, savez-vous pourquoi on l'appelle tournesol? Ouais! Oui, parce qu'elle ressemble au soleil. Wow! Wow! Et les tournesols font des graines. Miam! Les graines sont bonnes pour la santé. Bien, ça a été super fun de découvrir tous ces fruits, ces légumes et ces graines avec vous à la Tanaka Farms d'Irvine en Californie. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous épelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! Les amis, apprendre c'est génial! Blippi, blippi, blippi. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant! Blippi!